Bonjour tout le monde, c'est Mad Bob pour une vidéo, et oui, en caméra! J'aime trop chanter. Non, sérieusement, vidéo en caméra, c'est assez bizarre. Parce que d'habitude, je parle pas avec une caméra, mais je parle devant un PC, comme ici, mais vous le voyez pas. Donc bon, c'est pas si grave. Tout simplement pour vous dire que c'est la vidéo, les questions de Mad Boobs. J'en ai pas, oui, je peux pas faire des dédibous, peu importe. Mais bon, tout simplement que je fais une vidéo en face à face, en mode furax, vous voyez, comme ceci. En plus, ça fait un focus en même temps. Sérieusement, c'est génial. Tout simplement pour vous dire que je vais commencer par je ne sais pas quoi. Non, tout simplement, je vais commencer par vous dire c'est quoi ce concept de cette vidéo. Tout simplement, les questions de Mad Boob, c'est un peu dans le même genre que le 29 par Antoine Daniel. Je vais tout simplement à chaque mois. À chaque fin de mois, à chaque vendredi le dernier du mois. Donc bon, peu importe, tout simplement que je vais faire un petit briefing de qu'est-ce qui est à venir, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je vais devenir demain, qu'est-ce que je vais devenir après-demain, ou peut-être qu'est-ce que je vais devenir hier. Qui sait? Donc tout simplement que je vais faire un petit briefing de vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Et par la suite, je vais répondre à des questions que le matin même, donc le vendredi matin ou même le jeudi soir, tout dépendant justement encore, je vais tout simplement lancer sur Twitter. Donc si vous voulez poser des questions, c'est sur Twitter que ça va se faire. Vous me posez tout simplement, mais comme là ça va aller au mois prochain, mais bon, j'ai tout de suite déjà commencé le processus. Tout simplement que si vous avez des questions, vous m'écrivez par exemple, je sais pas, Mad Bob, t'es tellement beau, j'aimerais bien t'embrasser, alors est-ce que tu voudrais? Hashtag les questions Mad Boobs. Donc pour que ce soit plus simple, vous m'écrivez les questions Mad Boobs avec un hashtag, donc un dièse si vous comprenez mieux. Au mot dièse, ouais, voilà, c'est ça en français, donc hashtag sur Twitter que le monde comprenne un petit peu plus. Et c'est vraiment la seule façon de pouvoir poser les questions. Donc si vous n'avez pas de Twitter, vous pouvez pas poser de questions. J'avoue que c'est un peu sniff-sniff.ouais, mais bon, c'est pas si grave de toute façon. Vous pouvez demander à un de vos amis, le taxer, lui dire pose la question à Mad Bob, parce que j'aimerais bien le poser, j'ai pas envie de me faire un Twitter. Je peux comprendre, mais bon, je vais fonctionner de cette façon. Donc pour commencer, de toute façon, les petites nouvelles un peu, j'aurais vite fait par exemple que Sonic Before the Sequel que j'ai juste commencé, que les gens l'ont quand même bien apprécié, c'est un fan game que sérieusement j'apprécie moi à mon maximum. Et de toute façon j'ai déjà commencé le tournage, c'est assez bizarre à dire, mais j'ai déjà commencé le tournage after the sequel parce que je voulais faire la suite. Et sérieusement c'est juste de la bombe, c'est tout ce que j'ai à dire, je veux pas vraiment en spoiler encore plus, mais tout simplement c'est de la bombe, je n'ai jamais vu un jeu aussi bien que ça. Et je gesticule beaucoup! C'est un truc de fou. Quand je parle, que je parlais comme ça, ça va être encore plus drôle. Je vais avoir en plus un focus en même temps et ça va être tellement plaisant. Non, sérieusement, je vais arrêter. Tout simplement que le jeu est vraiment très bien fait. Et maintenant, pour Scribble Notes et Pokémon, Pokémon en ce moment, je peux pas trop tourner. Tout simplement parce que le collant d'arabe qui est avec moi, qui tourne les vidéos, qui est supposément intelligent. J'avoue que je suis méchant là-dessus. Ouais, j'avoue. Non, sérieusement, je déconne. Non, je déconne. Tout simplement que je peux pas tourner avec Simplay. Parce qu'on a vraiment pas le même horaire. J'ai recommencé les cours, je recommence bientôt les cours. Donc, on essaie vraiment de se quitter dans le meilleur des cas pour essayer de faire les vidéos en même temps. J'avoue que c'est un peu dur. Mais on essaye. Et pour ce que bon, non, c'est tout simplement que j'ai plus ou moins l'envie. Je vais le continuer, c'est sûr et certain. Je sais pas quand je vais avoir le temps, mais c'est sûr et certain que je vais le continuer. Maintenant aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre dans ma vie palpitante qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le chat! Non, c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé? Non, sérieusement, on s'en fout du chat. Tout simplement que c'est rien passé d'autre. Donc vraiment, c'était ça un peu les nouvelles. Et maintenant, on va commencer avec les questions de Mad Boobs. Il y a peut-être même pas dedans, c'est bon, c'est pas grave. Donc bon, commençons par les questions. Donc, je vais pas lire aussi, en passant, je vais pas lire toutes les questions parce que sérieusement, j'ai pas envie de lire toutes les questions et faire comme ok, putain, j'ai lu 10 millions de questions donc je vais essayer de prendre les meilleures. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, une question de Matt P. Forever, tout simplement qui me dit tu peux pas me faire un Matt câlin. Je sais pas c'est quoi un Mac câlin, un Matt câlin, pas Mac câlin, attends, un Mac câlin, non, Matt câlin. Ça me fait penser à un Mac câlin, ça me fait penser à un McDo, donc c'est vraiment pas plaisant, j'espère que c'est vraiment pas le cas. Tout simplement que, je sais pas, un Mac câlin, je sais pas, un Mac câlin, c'est genre prendre son chat et faire oh moi putain, je te donne un Mac câlin. Non, je sais pas, sérieusement, je sais pas. Faudrait que tu m'expliques c'est quoi, parce que je sais pas c'est quoi. Donc, une question de X Silver Gamer qui me dit ta config. Tout simplement, ma config de PC, vite fait, parce que je vais faire grosso modo, j'ai pas envie de t'expliquer les termes, genre j'ai une carte graphique de 1 gig et la mise à jour à 5.3. Non, sérieusement, tout simplement, j'ai une carte graphique qui est assez potable. Je suis vraiment pas trop sûr, mais bon, c'est un PC qui fait quand même la page. Je l'ai payé, je
je me souviens bien, 800 il y a environ 2 ans, donc c'est pas trop mal, sérieusement, ça peut très bien la faire et j'ai vraiment aucun problème avec ça. Donc une question de Roxy, je sais pas c'est qui, elle me dit, tu prends Nitro XL pour ta bite, je sais pas, attendez, je vais regarder, attendez un instant, je vais... Ah mais non, ben non, je le prends pas, donc de toute façon, il y a vraiment un gros délire avec Nitro XL, j'ai pas trop compris le délire, mais bon. Une question de The Creeper qui me dit, c'est divisé en 3, donc premièrement, en même temps, si je regarde par là, c'est un peu normal, parce que les questions sont là. Trop intelligent, la caméra n'a pas les réponses. Pourquoi tu t'es lancé dans YouTube? Qu'est-ce qui t'a motivé et pourquoi les vidéos sont-elles tellement épiques? La première, je dirais, pourquoi je me suis lancé sur YouTube? Parce que ma bite le demandait. Deuxièmement, qu'est-ce qui t'a motivé? Ben, c'est ma bite aussi. Et pourquoi tes vidéos sont-elles tellement épiques? Parce que ma bite le demandait. C'est tout simplement dans Shingeki no Kyojin. Quel perso as-tu le plus aimé? En ce moment, j'ai pas encore tout lu parce que je suis juste rendu au chapitre, si je me trompe pas. Chapitre 10. Et pour le moment, le personnage que j'adore le plus, je vous dirais qu'avec tous les rebondissements qui se passent en ce moment, je peux pas vraiment mettre un doigt sur un. Je peux pas trop m'attacher sur des personnages que je sais pas qu'est-ce qui arriveront. Donc peut-être au fur et à mesure, je vais pouvoir te le dire, mais pour le moment, j'ai pas encore assez lu pour m'attacher à un personnage. Une question de Pierre-Alexis07 qui me dit « Que penses-tu des Pokémon X et Y et de la 2DS ?» J'avoue que c'est une question qui est assez d'actualité en ce moment, parce que de toute façon, Pokémon X et Y sort le 12 octobre, qui est dans un mois. Sérieusement, j'ai juste pensé, c'est dans un mois. Tout simplement, j'ai vraiment hâte de voir parce qu'ils ont fait... ils ont l'air d'avoir pris la base de Pokémon, ils se sont dit on part sur quelque chose de nouveau, on recommence un peu le style graphique et vraiment ils ont comme laissé tomber une certaine partie de Pokémon, ils se sont dit on va essayer de faire un nouveau truc, ça va peut-être plaire, ça va peut-être déplaire, mais au moins ils ont pris des risques. Donc c'est ça que j'aime un peu de Pokémon de XY. Et pour la 2DS, c'est le seul truc que je peux dire par rapport à la 2DS, je vais pas non plus faire de clash sur la 2DS. Mais sérieusement, c'est enlever quelque chose qui était intéressant, régresser la console pour la rendre moins chère et plus accessible pour les gens qui n'ont rien à battre de la 3D, qui veut dire tout le monde. C'est la seule raison, mais sinon le côté non pliable de la console, ça me fait un peu chier, mais bon, j'ai ma 3DS, je suis vraiment content avec ma 3DS et j'ai pas de problème pour la 2DS, sérieusement, elle peut rester... Pour des gens qui vont être heureux de payer moins cher pour ça, j'ai aucun problème, mais sinon je suis pas très très fan de la 2D. Une question de Sol C qui me dit, avec un français super sublimissime, sérieusement, c'est quand un nouveau speedrun, je sais pas c'est quand je vais faire un nouveau speedrun. J'ai vraiment celui de Mario 64 que je vais perfectionner un peu, que je le fais tout le temps à l'arrache, que je le fais tout le temps un peu n'importe comment, donc j'aimerais ça un petit peu plus me concentrer à essayer peut-être faire un parcours prédéfini, et essayer de me l'améliorer. C'est vraiment sympa à faire, sinon je sais pas si j'ai d'autres jeux. Une question de Notak, un ami en passant, bonjour Notak. Tout simplement, et sinon, est-ce que tu comptes arrêter tes let's play un jour pour d'autres émissions? C'est vraiment une très bonne question parce que j'ai remis en doute quand même les let's play plusieurs fois sur ma chaîne et je me suis dit que juste du let's play sur une chaîne, c'est pas assez complet. Pour moi personnellement, pas pour l'audience qui l'écoute, mais pour moi personnellement, juste faire du let's play, ça me saoulait comme pas possible. Donc il y a quand même le manga anime que je vais quand même perfectionner à rajouter certains trucs. Tout simplement pour répondre à la question, le let's play va toujours rester premièrement au prédominant ou dominant ou comme vous voulez. Et par la suite, il y aura d'autres séries que je veux vraiment créer. Mais c'est sûr et certain que le let's play n'arrêtera pas parce que c'est quelque chose que je m'amuse à faire. Mais c'est sûr et certain qu'il va y avoir d'autres émissions que je veux mettre en place et que j'aimerais ça peut-être pas autant parce que j'ai peut-être pas assez de temps pour le faire. C'est vraiment peut-être essayer de trouver d'autres émissions que je pourrais alimenter à l'intérieur de ma chaîne, ça c'est sûr et certain. Donc! Voici les questions que c'était pour les questions Mad Boobs. Quand je dis Mad Boobs, ça me fait penser à My Boobs. Comme MySpace, mais My Boobs. Si vous me suivez sur Twitter, pour le mois prochain, ça va être le même principe. Je vais vous discuter un peu de comment que le tout va s'arranger dans je recommence tout simplement les vidéos de comment que je vais les faire. C'est pas ça que je veux dire, sérieusement, je suis en train de me perdre. Et... aussi, je vais répondre aux autres questions qui vont être sur mon Twitter, donc mois prochain, donc ça va être proche du fin septembre. Trop intelligent, Mad Bob. Donc, tout simplement, fin septembre, vous allez pouvoir me poser d'autres questions et je vais pouvoir encore y répondre. Et j'espère que vous aimez quand même l'idée de me filmer en face, vous me regardez dans les yeux. Vous voyez, en plus avec le focus, c'est génial. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo en me regardant. J'avoue que c'est super sympa, sérieusement, vous aurez pu faire ça toute votre vie, me regarder, J'avoue, c'est Mad Bob, le regarder 24h sur 24, c'est génial! Trop des idées à la con.
Donc merci d'avoir écouté cette vidéo, on se revoit pour les prochaines, donc salut tout le monde.